Ouais, Mathilde, c'est Pierre. Je voulais. Est-ce que tu peux me rappeler un peu plus tard? Tu m'as fait la même coup. Toujours la même chose. Il se passe toujours un truc, putain. Écoute, Ronald, arrête de te foutre mais de ma gueule. Arrête de te prendre le chou, arrête à chaque. Calme-moi. Non mais te fous de ma gueule, tu la connais? Mais non, je la connais pas. Salut, c'est Mathilde. Laisse un message, merci. Allô Mathilde, c'est Pierre. Je voulais te dire. Bon, est-ce que tu peux me rappeler? À plus tard. Ciao. Comment ça va ma poule? Oh super, et toi? Oh bah tu sais, après une heure avec Georges Clooney, ça va forcément bien. Georges, ton héros. Oui, mais Dieu sait qu'il en faut dans ce monde. On n'en trouve que dans les films. Bon, t'exagères. Il y a des mecs bien dans la vie aussi. Regarde par exemple le mien. Quoi? Tu sais, l'autre fois je suis rentrée super fatiguée. Et tu sais qu'est-ce qu'il Tiens. A fait pour moi? Tu sais ce qui m'est arrivé juste avant d'arriver au cinéma? J'ai séparé un couple qui s'engueulait. Le mec, il est en train de foutre des baffes à sa femme. Mais alors, je te l'ai calmé direct. Je pense qu'il va s'en souvenir, à mon avis. Mais qu'est-ce que tu l'as dit? Bah, ton avis, qu'est-ce que je dis? Ouais, vas-y, tatane-la ta femme. Ah bon? Tu l'as dit comme ça? Mais non, Solène, je n'ai pas dit comme ça. Je lui ai dit, vous vous calmez ou sinon j'appelle la police. Mais t'as peur de rien, toi. Et tu sais aussi, je t'ai pas raconté, mais ce matin,
Il y avait un touriste qui était un petit peu paumé, bref, il se fait tirer son sac. Tu crois qu'il y aurait quelqu'un qui aurait bougé ses fesses? Non, non, personne, nada, tu vois. Et bah c'est moi, ta petite Mathilde, qui a dû arrêter le mec et récupérer le sac. Non mais franchement, c'est quoi ce monde dans lequel on vit, quoi? Mais t'es complètement folle, mais tu aurais pu être blessée. Mais attends. Le mec, il se fait tirer son sac. Dedans, il y a ses papiers, son pognon, je sais pas moi, ça se trouve, il y a des médicaments pour sa mère qui est très malade et ils en trouvent pas dans leur pays. Bref, et c'est moi qui suis complètement givrée? Bon, j'ai pas dit ça. Ça va, t'énerve pas. Y a ton téléphone. Ton téléphone? Quoi, mon téléphone? Là, voilà, il a rien, mon téléphone. De toute façon, je suis sûre que toi, t'aurais rien dit, rien fait, alors. Je sais pas, peut-être, mais... Bon, c'est sûr que moi, je ne suis pas Mathilde Poulon. Ah ouais, d'accord, ok. Eh ben écoute, je crois que de toute façon, je te saoule avec mes histoires. Donc, Mathilde Poulon, eh ben, elle se tire et elle va aller s'occuper de gens qui ont sûrement beaucoup plus besoin d'elle que toi. Allez, ouais, c'est ça. Allez. Salut ma chérie, hein. À bientôt. Je sais, ça fait 10 minutes que vous attendez pour traverser, mais il n'y en a pas un pour vous aider. Eh ben, moi, je vais vous aider. C'est ma tournée aujourd'hui. Allez, hop. Voilà, je dois rien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un. J'aimerais traverser. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. In other words, please be true. In other words, I love you.
juste te prévenir au dernier moment, mais je travaille 3 jours sur Paris la semaine prochaine. Et je voulais savoir si ton canapé était sur vous. Voilà, ben écoute, on se rappelle. Allez, je t'embrasse. Ouais, Mathilde, c'est Pierre. Je voulais. Est-ce que tu peux me rappeler un peu tard? Ouais, Mathilde, c'est Pierre. T'as l'air très occupé. Excuse-moi, je voulais pas te harceler aujourd'hui, mais j'avais envie de parler un peu en fait. Là, c'est dur. Bon, je sais que c'est fini, mais c'était tellement bien. Et bon, je sais ce que tu vas me dire. C'est con, mais. C'est vraiment bête tout ça. Bon, d'autre part. Prends soin de toi aussi. Je t'embrasse. Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Gounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria. Faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Cœur, ne t'emballe pas, c'est comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous mes mains, restez tranquilles, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde est revenue. Et vous mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas, Mathilde est revenue. Ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus, Mathilde est revenue. Vous mes mains, ne vous ouvrez pas, vous mes bras, ne vous tendez pas, sacrée Mathilde, puisque te voilà. Mère, arrête tes prières, ton chagrin retourne en enfer, Mathilde, mère revenue. Gounia, apporte-nous du vin, celui des noces et des festins, Mathilde, mère revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap, Mathilde, mère revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois, ma belle Mathilde, puisque te voilà.